babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. Et hello les gens, ici JS, on se retrouve pour le sixième épisode. Le sixième, si je ne fais pas d'erreur, et si je ne m'abuse. Donc le sixième épisode de ce rétablissement GTA 4. C'est GTA 3, si jamais je me trompe, c'est pas grave. Si jamais je me trompe dans le numéro... si je me trompe dans pas de musique, toujours pas. Donc on va continuer aujourd'hui l'épisode et j'ai l'impression... oui, le logo de Salvador est apparu. Évasion, c'est parti. What a ride she's gonna be, huh? All right, listen. Get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get them to the bank before 5 o'clock, not a minute after. Je pense savoir où c'est. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense savoir où c'est. Oui, donc je disais au dernier épisode que j'ai eu que j'aurais mon permis dans un Kinder Surprise. Et ben non, je l'aurais dans un bac de lessive. Non! Mais non! Oh puis non, c'est poudre. Il y a une poste, tu veux plus. Toi. C'est là, il y a une alarme, je parie. Putain, c'est pas vrai! Pérennial, elle nous en pousse après. Pérennial, s'il te plaît, Pérennial! C'est la petite voiture en fait pour enfants, c'est pour enfants et parents, la petite familiale d'occasion que t'achètes. Voilà quoi. Voilà, le principal. En fait, elle est super glamour cette voiture. Ça, j'achète. Salut à vous! Quand tu passes de façon assez illégale en fait, on peut dire rien de soi. Et on me tire dessus de façon tout aussi illégale en fait. Désolé en fait pour la dernière fois. Quand je suis mort, mais c'est leur faute. Sors-nous de là. En fait, ils me mettent dans la merde et c'est moi qui dois les sortir. Attention, hop, je traverse presque pas. Il ne l'a pas fait, c'est pas grave. Et on va s'en débarrasser. Ah mais c'est agressif. Putain mais c'est qui demain un peu sceptique. Non mais j'ai pas compris. Attends mais j'ai encore envie. Pas grave. Pitié ils sont pas tous morts. Take them out. Allez,
Donc, j'ai cru que c'était vrai. Ça me fait chier, non? C'est bon. Normalement, je m'en suis débarrassé. Ça va vite être chiant et c'est bon normalement là, juste à et c'est possible de rouler comme ça. Allez, poussez-vous, je passe. Oui, je joue le bâtiment de Padès. Lucas, c'est le bâtiment avec le bâtiment de français. Ah non, 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 je l'ai pas vu. Non, mais c'est à peu près ça quoi. Out, but while we're at war with the triads, we ain't strong enough. The cartel has got bottomless funds from pushing that spank crap. If we make an open attack on them, they'll wipe the floor with us. They must be making spank on that big boat that Curly led you to. So we gotta use our heads. Or rather, one head. Your head. I'm asking you to destroy that spank factory as a personal favor to me, Salvatore Leone. If you do this for me, you will be a made man. Anything you want. Go and see 8-Ball. You'll need his expertise to blow up that boat. J'aime bien le concept. Allez, c'est parti, on va voir 8-Ball. Sans voiture de flic. Ça joue un peu plus. Espèce. Oui, donc normalement ça va être la stack, c'est tout ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, il faut que je défonce les gars sur le bateau et je vais pas vous spoiler. Ce qui est bien dans GTA, c'est que tu te balades en fait de droite à gauche, tu vas de l'autre côté du de nouveau de l'autre côté. Bref, en fait, tu te balades quoi. Alors. Hop, je me gare. Et je vais voir. La bongue acte 2. Yo, my man! Salvatore phoned ahead, but a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need $100,000 to cover expenses. But you know with me, you get a lot of bang for your buck. Come back, brother, when you have the money. Voilà, faire. Okay, let's do this then. I can set this baby to detonate, but I still can't use a piece with these hands. Here, this rifle should help you pop some heads. Mais c'est des bandages qu'il a aux mains, c'est ça que j'ai jamais compris, c'est tellement mal modélisé, on se demande si c'est des bandages ou des gants. Voir des trucs de protection. Il me fait penser un peu à quelqu'un en fait. Vas-y, monte. C'est ça, monte à l'arrière, c'est moi le chauffeur, bien sûr. C'est la meilleure. Ah, si t'étais la fille de Salvador, t'aurais eu ma gratitude. Sous le décor là.
right away. You nuts? Then I'll head in when you fire the first shot. Oh, tu te calmes parce que premier coup, je suis pas prêt de le tirer avant. En mode, je me balade. C'est parti. Bref, je confonds tout, je confonds les touches. Comme ça, on n'a pas déjà été calé en fait. C'est ça que je comprends pas. Je suis sûr, on a déjà été calé. On nous aurait déjà calé dans la vraie ville. Hein. Excuse-moi, mais c'est louche, un mec qui vient, il se gare. Un autre qui se passe tout en haut et qui même pas observé. Enfin, bref. Bienvenue au pays, ma chère amie. Hop, voilà. Et voilà, terminus. L'escargot. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, le jeu de mots de merde. L'escargot, putain. C'est quoi ce jeu de mots de merde, quoi? Animation ouf. Oh, je cours. Vite, je dois survivre. Je me fais exploser complètement la gueule. Ça, c'est une belle animation. Il y a un truc qui me fait rire en fait, il y a l'explosion derrière lui, mais genre très proche de lui quoi. Genre il sait que la mort le tient, mais il n'en a rien à battre. Allez, c'est parti, on continue. Et on continue. Alors je crois que cette fois c'est un piège de Salvador, si je ne m'abuse. Ce qui me fait rire, c'est qu'après on a la mafia sur le dos, le tout sur le dos. C'est un clan qui ne détestera pas. Ouais. Ça, pourquoi ils ont dû avoir de l'argent. Salut. Allez. Donc. attendez. Puisqu'on est près de Salvador, ça va être notre pot si on le met ici. Je pense qu'il est temps de chercher un des paquets cachés. Je sais plus où il est. Oui, c'est ça, il est là-haut. Dernière volonté. My favorite cleaner. I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of those grease balls. I just got one little job for you before we can all celebrate. There's a car around the block from Luigi's club. The inside is covered in brains. We gotta help some guy make up his mind and it proved a little messy. Take it to the crusher before the cops find it. Chercher ça.
normalement, si je ne m'abuse, on débloque là. Mais j'en ai marre de dire si je ne m'abuse. Mais faut que... normalement, on débloque la troisième île, la deuxième île. On peut y arriver. La deuxième île. C'est bon, on prend. C'est Maria. C'est Maria, la voiture est piégée. Rejoins-moi sur le quai au sud du pont de Calandre. Oui, en même temps, je voulais pas encore. À l'époque, je me souviens, je suis quand même allé voir si la voiture était vraiment piégée ou alors j'allais la détruire pour faire croire que j'étais mort. Mais c'est pas intelligent de ma part. Tout autant être con. Listen, Salvatore thinks that we're going behind his back, so he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Don't ask me why. I don't know. Look, you're a marked man on the mafia turf, and I've got to get out of here, too. I've seen too much killing, too much blood. This is a friend of mine, okay? She's an old friend. It's so good. She's someone we could trust. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. Pourquoi je ne me suis vu en trois fois? Je vous remettrai la vidéo et j'enterrerai les... Enfin, deux fois, je me suis dit. Allez, c'est parti, on se casse. Ah, ce qui est drôle, c'est que les deux, je crois, ont une arme. Mais si j'ose tirer, on m'abat. Alors, regardez ça. Je sais pas ce que j'ai testé. En fait, j'ai testé un peu tout le jeu. Donc, j'ai testé jusqu'au bout. Comment je me... Marche arrière de merde. Asuka and I are gonna have to talk. Why don't you go cruise around? You'll need a place to lie low. There's a warehouse at the edge of Belleville that should suit your needs. Come back here to my condo when you're ready and you and me can have a little chat. Regardez, je marche seul là. Plus besoin d'aide. Ouais, non, mais en fait, il y a eu un petit bug. Donc, écoutez bien. News just in from the traffic desk. Repairs to the Callahan Bridge have been completed. Since the explosion, engineers have been working around the clock to get traffic flowing between Portland and Staunton Island once again. Ah, même pas. Donc alors je disais que le mission secondaire normalement on allait les faire après avoir débloqué une île, mais en fait on va faire autrement. On va finir tout le jeu les missions secondaires, on va faire comme ça on est propre, on est bon, on est nickel. Donc c'est parti, on va faire une mission de Asuka. Merde, je confonds le frein et ça. Donc Sayonara Salvador. Attends. Putain, on va tuer son père quoi. Elle a aucun esprit. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Me dis pas qu'elles sont guine non plus. Faut que je relise le scénario parce que j'ai peur de t'avoir compris de travers. Et attends que ça me danse. Ok. Je vais l'abattre un peu, sniper. Autrement, je sais pas. Est-ce que...
Ok, c'est bon. C'est parti. Jamais aussi bien conduit de ma vie, là, d'un peu dans le jeu. Non. Alors, on va arrêter ça. Putain, mais dégagez. Mesdames et messieurs, je suis mort. Je suis mort. Watch it, asshole. J'y crois pas moi-même. Bon, bref. On y retourne de plus belle. Faut juste que je retourne à Nation. Je vais faire un peu le stop. You ever been downtown? I don't need any ID. You look just perfect. Ok. J'ai. Achat de véhicule de secours 9 et d'occasion. Très bon. Donc ça, c'est la plus grande chose. Ah ouais, donc ça c'est cool. En attendant. Alors ça va être une mission secondaire, donc on va pas. En attendant. Alors. Vous allez voir, on va vraiment bien se démerder là. Je suis à bloc là. Brrr. Alors je suis un peu moins d'habitude, mais là je suis vraiment à fond dans le jeu, et tard, j'ai la fatigue qui me... voilà, donc je suis un peu moins vivant. Donc ne vous inquiétez pas, ce soir ça va être un peu moins mouvementé que d'habitude. Vous pouvez un peu souffler, hein. Bon, peut-être pas lui, mais vous pouvez souffler. Alors, attention, arrivée catastrophe, je te promets. Et voilà, toujours bien garé. C'est moi qui ai toujours les meilleures places. Sayonara, Salvador. Mais c'était pas Salvador, ça c'est... Salvador, c'est quelqu'un d'autre, c'est Salvador. Donc... ouais. Ça va, j'ai le temps.
Et donc, Relégeant CJS. Donc, on se retrouve donc après une grande pause pour moi. Hein. Petite pause pour vous. Non, mais grande pause pour moi parce que je suis allé dormir. Hein, parce que j'étais pété. Là, j'en pouvais plus. J'arrivais même pas à faire la mission. Donc, j'ai décidé de faire une pause, d'aller me coucher et de reprendre de plus belle le lendemain. Et c'est ce qu'on a fait. Et d'après ce que j'ai vu, il nous reste 5 minutes de vidéo. Donc, on va meubler les 5 minutes et réussir cette mission. Donc, je suis motivé, je suis à bloc, je suis à fond. On va réussir cette mission, ne vous inquiétez pas. Et on commence avec un tout petit saut. Splendide! Allez! Donc on y va, c'est parti, on se la joue vraiment en mode YOLO. Alors, on y va. Donc on va de nouveau chez... Comment ça s'appelle? Je sais plus. Vous savez quoi, on va... Non, pas Akaria, non, désolé. Référence merde. Chez Yakuza, chez Madame A, voilà, hein. Non mais vraiment désolé, je sais même plus son prénom. C'est bon là, je suis HS. Je peux la boum. On va changer de voiture, après. Salut Nara, Salvador. Salvator, pas d'or. Un quartier rouge, avant que Salvator sorte du club. Bien, c'est parti. On va sortir de civilisation environ 15h30. 15h30. Mais ça nous laisse le temps de boire un petit café. Des cafés d'ailleurs. Alors je vous ai épargné certaines scènes en fait parce que j'ai remarqué déjà que mon micro, j'ai regardé ce matin, mon micro, il avait été mal enregistré en fait, on m'entendait presque pas dans la vidéo. Déjà je suis navré parce que j'avais mal configuré. J'avais encore configuré pour quelque chose d'avant. Et du coup voilà, et du coup je vois comme ce match. Cascade dangereux unique. Hein. Hop là. Là c'est fait. Au suivant. Donc oui, je disais que mon micro était faible, je suis désolé, ça ne va pas se reproduire, je l'espère, dans cette partie. Voiture. Et donc aussi, j'ai beaucoup perdu à la mission, donc j'ai préféré couper l'instant parce que c'était ridicule, franchement. Vous seriez foutu de ma gueule et c'est pas vraiment ce que je cherche. Bien que par moment. Et donc, on va vraiment reprendre plus sérieusement l'épisode aujourd'hui. Donc je disais qu'on va reprendre plus sérieusement avec moins de fail. Beaucoup moins de fail. Putain, on va se mettre de côté. Bon, on fait quoi jusqu'à 15h30? Bon, vous savez quoi? Je vais voir si je trouve une voiture plus massive. Parce que je tiens à utiliser une technique en bloquant. Salut! Bien quand je suis passé comme un gros vandale. Ou toi, tu es à moi! Allez, salut! Ah là 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 là, que je ne suis pas possible! Donc on reprend. Donc on reprend. Salut! Y a pas une étoile pour éviter que je me tape leur. Putain de conversation entre flics là? Non, y a pas. Zut. Oh là là, c'est con. Ah là là, c'est très con.
always trouble. Take him out! Alors là. Alright, drop down! Ouais, réussi. Alors, c'est qui le papa? Hop. Pas moi qu'on l'a fait. Non mais... Vous avez dit qu'on réussirait la mission. Bref, on va arrêter là donc l'épisode pour de bon. Alors on se retrouve la prochaine fois pour plus de délire, plus de fun, plus de pouvoir. Avec moi sur ce Let's Play de Grand Theft Auto 3. Alors je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée, tout ce que vous voulez, une bonne barbizza, ce que vous voulez.